Et bonjour tout le monde, là on se retrouve dans le jardin, côté pelouse de mon terrain. Je viens vous montrer le thermomètre Bluetooth que j'avais mis à l'extérieur pour mesurer la température extérieure. Donc je l'avais mis pour qu'il soit hors pluie dans un pot en verre car je n'avais que ça sous la main actuellement. Et là on va alors en direction de la serre pour voir le deuxième thermomètre que j'avais installé. Je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Bon, il est juste là, caché derrière le poteau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de les installer un peu plus correctement. Donc je suis allé acheter des boîtes type Plexo, donc c'est des boîtes étanches et de la bonne taille pour installer ces petits thermomètres dedans. Donc pour le premier thermomètre, je pourrais l'installer un peu plus en hauteur et un peu plus à l'ombre, car là le premier était un peu au soleil. Et dans la deuxième petite boîte, ça c'est mon troisième thermostat en fait que je n'ai pas encore installé. Je vais l'installer sous le voile d'ombrage. Pour voir si le voile d'ombrage permet de garder quand même une petite température dans le potager, bien sûr, qui est sous le voile d'ombrage. Donc je vais essayer de l'installer sur le poteau qui est au milieu de mon voile d'ombrage. Tout ça a pour but de voir si la température à l'extérieur est la même qui est sous voile d'ombrage. Donc ce thermomètre, c'est un thermomètre non sédentaire, donc c'est un thermomètre qui va me permettre de mesurer la température à plein d'endroits du potager. Donc par exemple, il va pouvoir me servir à mesurer la température sous un tunnel de forçage. Ou des tunnels type en plastique qui, selon la doc, disent que c'est du hors-gel. Ça, j'ai quand même des doutes. Car quand il fait vraiment moins 5 dehors, hors-gel sous un tunnel, ça m'étonnerait. Mais bon, on va tester. Passons à l'application. Donc avec il faut télécharger sur le smartphone un petit logiciel qui s'appelle SensorBlue et il va se connecter tout seul à vos thermomètres. Donc là actuellement j'en ai deux au potager. J'ai la température de la serre et la température extérieure. Avant de lancer l'application, il faut bien allumer votre Bluetooth. Alors quand la température est grisée, c'est pas connecté. Quand cela devient vert, c'est connecté et les températures sont mises à jour. En fonction de votre thermomètre, vous pouvez mettre une petite photo, c'est plus sympa. Voilà, après à faire ou pas faire. Après, quand vous cliquez sur la température, l'application va se connecter directement à votre thermomètre pour mettre à jour toutes vos données. Donc ça met plus ou moins du temps en fonction de la distance que vous avez entre votre thermomètre et vous. En termes de distance, j'ai pas mesuré, mais entre 10-15 mètres ça passe. À part si vous avez plusieurs murs, ça reste de ralentir. Donc on voit la température et l'humidité. Donc là je suis sur le tableau de l'humidité. Alors l'humidité, je m'en occupe pas pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la température. C'est pour veiller à qu'il ne fasse pas trop froid dans la serre. Donc on voit quand même qu'il y a un bel historique de 1 mois. Donc c'est intéressant de voir la température qui bouge sur 1 mois, tous les mois de où il fait très froid. Donc je peux voir comment réagit la serre en fonction de la température extérieure. Donc si on veut aussi, on peut sélectionner un intervalle de temps pour faire des comparatifs. L'intervalle de temps, on peut régler la date et l'heure, c'est pas mal. Donc avec cette fonction de régler l'intervalle de temps, vous pouvez, en descendant un peu votre écran, vous voyez, vous pouvez voir les pourcentages par rapport au degré. Là on voit par exemple qu'il y a eu 157 heures entre moins 2 et 5 degrés dans la serre, 337 heures entre 5 et 13, ainsi de suite. C'est assez intéressant à savoir. Et c'est pareil pour l'humidité, ça marche pareil.
Donc après dessus on a aussi une autre fonction, on peut voir donc tous les résultats de la température et l'humidité. Donc la prise de température se font tous les 10 minutes. Et donc comme ça vous avez toutes les données enregistrées sur cette page. Et ce qui est génial c'est qu'il y a une fonction que vous voyez en haut à droite à côté de Logger, il y a une petite flèche avec un petit carré. Et on peut exporter ces données en fichier CSV, donc c'est un fichier que vous pouvez lire normalement sous Excel. Donc vous pouvez à la fois exporter la température de la serre, la température extérieure, bref toutes les données qui sont ici. Donc après je conseille de changer votre nom de fichier en CSV en XLS et après vous pouvez le lire avec sous Excel ou LibreOffice. Moi j'utilise plutôt LibreOffice. Alors après il faut maîtriser un petit peu LibreOffice, en trifouillant un petit peu on a extirpé deux colonnes, une température extérieure et intérieure, et après on arrive un petit peu à faire un petit graphique, le même qui est à peu près sur le smartphone, parce que là on voit les deux côte à côte. Voilà, par exemple sur le graphique, en rouge c'est la température de la serre, et en bleu c'est la température extérieure. Et là on voit nettement sur la courbe en rouge l'utilité du chauffage dans la serre. Dès que ça arrive à partir de 5 degrés, et bien le chauffage se met en route, contrairement à la température extérieure qui chute. Voilà, tous les thermostats sont installés, les données vont être récupérées bientôt et je vous ferai une synthèse de tout ça dans une prochaine vidéo car cette vidéo là était la partie 1 et la partie 2 arrivera je pense dans 3-4 semaines, voilà. Attendez, ne partez pas, j'ai oublié de vous donner la référence car au début de la vidéo je ne voulais pas donner, donc c'est un produit que j'ai trouvé sur un grand site de commerce en ligne. Alors si vous allez sur un des plus grands sites de vente en ligne, vous verrez, vous tapez Oria 2PCS, vous tombez directement dessus. 2PCS c'est pour 2 pièces, mais ils le vendent à l'unité. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye.